Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir votre Bible? Le pasteur Pacha a dit jetez vos téléphones. Est-ce que je peux voir votre Bible, s'il vous plaît? Dites après moi. Dites après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Dès que je vais l'écouter ce soir, mon âme sera nourrie et elle grandira. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je produirai les fruits au centuple. Je suis une bénédiction pour mon église. Une bénédiction pour ma famille. Une bénédiction pour ma nation. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence, où nous avons répandu nos cœurs, nous avons condamné, nous avons chassé. Nous croyons avoir le résultat dans les jours qui viennent. Si pas les jours qui viennent, ce soir même, cette nuit même, nous verrons le résultat. Car la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous voilà parce que nous croyons à ton existence. Visite à site, bénis à site. Et béni tout celui qui est participant au nom de Jésus, qui me dit Amen. J'ai dit merci au pasteur David. Moi, je l'appelle roi. Même quand je l'écris, je l'appelle roi. Et parce qu'il est roi. Il porte le nom du roi David, donc il est roi. Qui dit Amen? Mon pasteur, merci beaucoup. Je voulais expliquer quelque chose avant que je n'introduise la pensée de ce que nous avons commencé hier, si l'opération. Opération. S'il vous plaît, pasteur. Remarquez. Cette pochette a quelle couleur? Elle a la couleur blanche. Si le diable venait et que le diable vous disait et que cette pochette a la couleur blanche et que le Seigneur Jésus venait et vous dit non, cette pochette a la couleur noire, qui allez-vous croire? Même si le diable dit que cette pochette a la couleur blanche, mais parce qu'il est diable, dans son cœur, il n'y a pas un iota de vérité. C'est un père des mensonges. Mais si Jésus vous dit que cette pochette a la couleur noire, croyez, parce que la grâce et la vérité est venue par Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donc si Jésus dit qu'elle est noire, quoique en réalité elle est blanche, croyez en Jésus. Qui me dit Amen? Quand vous sentez que rien ne marche au bon trait dans votre vie, si le diable vous dit que vous mourrez, ne croyez pas. Croyez à celui qui dit que vous allez vivre. Parce que la guérison, c'est entre ses mains. La vérité, c'est entre les mains de Jésus. Qui me dit Amen? C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ce soir pour lui dire, le problème que tu es en train de passer, qui semble être, je ne sais pas moi, noir, et c'est réel, c'est une vérité. Qu'il n'y a pas d'explication, tout le monde sait bien que tu souffres. Mais si Jésus te dit que tu ne souffres pas, crois en Jésus parce que tu n'es pas réellement dans la souffrance. Parce qu'il a le pouvoir de le changer dans 5 minutes avant, alléluia, ou après une heure, parce qu'il a le pouvoir et la capacité. La Bible dit, rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Qui me dit Amen? Opération séparation. Vous devez passer par l'opération. Vous devez passer par une bloc opératoire pour qu'on enlève cette maladie qui vous dérange. Personne n'accepterait vivre toute sa vie avec une maladie. Parce que tu vas fondre, tu vas perdre l'éclat, tu vas perdre la force, le courage d'aller chercher. Ce qu'il faut, il faut passer par l'opération. Il faut qu'on tue cette maladie afin de vivre une vie libérée. Alléluia. Si nous allons vivre avec les mensonges, c'est une maladie dans notre corps. Si nous allons vivre avec la jalousie, c'est une maladie. Et à chaque fois que nous écoutons la parole,
nous passons au bloc opératoire pour enlever cette maladie, afin que nous ayons la liberté de vivre et vivre la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'entre nous croient que nous cherchons la guérison physique, mais mentalement, spirituellement, nous sommes malades par notre comportement, par notre manière de vivre. La vie chrétienne, elle est simple que vous le croyez, mais nous la rendons difficile par notre manière de faire, par notre manière d'agir. Je voulais ce soir avec vous partager une portion d'écriture dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 20. Je voulais qu'ensemble nous puissions croire à ce que la Bible est en train de faire mention, à ce que la Bible est en train de nous expliquer pour vivre la vraie vie. Une vie avec humilité, mais plein de gloire. Alléluia. Une vie combattue, mais avec succès. Une vie pleine de critiques, on enterre même ton nom, mais Dieu te fait submerger. Et pour que nous puissions vivre cette vie, il y a des choses que nous devons faire. Chaque prophète dans son temps amenait un message. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, chaque prophète avait un message. Quand vous lisez Élie, vous allez comprendre qu'il vient sur la restauration d'Israël. Alléluia. Il amène la restauration comme message étant que prophète dans son temps. Et quand vous voyez Élie, vous voyez Élisée, qui n'est que l'ombre de Jésus-Christ avec ses serviteurs qui sont les disciples. Vous remarquerez quand Jésus est monté, quand Élie est monté au ciel, il a laissé le manteau à Élisée. C'est ce manteau qui l'a aidé à séparer les Judéens à deux afin de traverser. Le Seigneur Jésus qui monte, il nous a aussi laissé le manteau. Il a laissé le manteau à ses disciples qui est le Saint-Esprit, qui leur a donné la force de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, qui me dit Amen. Vous avez quelque chose que vous avez reçu de Dieu, auquel vous devez marquer votre temps. Vous n'avez pas le droit sur la terre des hommes de passer inaperçu. Nous devons marquer notre droit, notre temps, quoique le diable existe, mais il n'a pas le pouvoir de mettre fin à ce que Dieu a planté en vous. Si vous ne croyez pas ce que Dieu a placé en vous, vous ne croyez jamais en Dieu. D'abord, commencez à croire à cet être qui sommeille en vous. Réveillez l'être qui sommeille en vous, afin de vivre une vie épanouie. J'ai parlé à un jeune homme ce matin, je lui ai dit, remarquez, moi je suis Barcelonais, il est arrivé un jour, on a perdu 8-0. Messi était dedans. Mais je n'ai jamais quitté Barcelone, cette équipe. Nous avons perdu 8-0, Messi est là, le meilleur joueur du monde. 8-0. Je lui dis, vous savez combien de fois vous changez les églises? L'église a perdu où? Nous, on a perdu 8-0. 8-0. Les voisins se sont moqués de nous, mais n'en parlons pas. 8! Mais après le 8-0, là, l'équipe devait être divisée à deux. Mais ils sont restés soudés. Ils sont restés ensemble. Mais combien de fois nous chamaillons à l'église, nous nous séparons avec les gens juste parce qu'il y avait 8-0. Alléluia. Personne n'a changé le club. On est Barcelonais jusqu'à ce jour. Et on est resté. Messi est parti à Paris, mais les Barcelonais sont restés. Combien de fois avons-nous changé les églises parce que un frère m'a fait du mal? Est-ce que nous allons chercher les églises ou nous cherchons Jésus? Alléluia. L'église est en train de souffrir de l'immaturité, mais l'église aime les paroles d'encouragement. Les encouragements ne te feront pas soir. À cause des encouragements, tu vas quitter Assyte et tu vas aller dans les dos du Seigneur. L'autre église s'appelle Dieu est beau. Mais est-ce que nous formons un peuple de Dieu? La Bible dit que nous devons former les disciples à Christ. Comment un disciple peut abandonner son maître parce que le maître est aux arrêts? Est-ce que les disciples ont abandonné Jésus parce qu'on avait arrêté Jésus? Non, ils sont tous restés ensemble d'ailleurs en attendant la promesse de Dieu. Quand est-ce que l'église resterait un, même s'il y a des problèmes qui tombent? Parce que laissez-moi vous dire, aussi longtemps que nous serons une église de Dieu, il y en aura des problèmes chaque jour. Si nous ne sommes pas l'église de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais aussi longtemps que cette église sera l'église de Dieu, il y en aura des problèmes parce que le diable est notre ennemi. C'est une bête féroce qui veut détruire l'église. Mais si nous allons rester un comme les écailles du crocodile, nous créerons une force. Et nous allons les bouter dehors. Nous serons combattus, mais jamais vaincus.
Et les gens ne verront pas la faiblesse de l'église. L'église aujourd'hui est faible. C'est parce que c'est nous qui la rendons faible. Nous ne savons pas ce qu'on appelle la maîtrise, ce qu'on appelle conserver, avoir une discipline, avoir ce qu'on appelle des valeurs fondamentales, avoir un caractère d'acier face aux réalités que nous rencontrons. Plein d'entre nous, nous n'avons pas ce qu'on appelle un mental fort. Quoique nous prions, si le vent souffle, nous allons partir. J'aime Pierre. Il niait Jésus, mais il n'avait pas abandonné Jésus. Quoique Pierre niait Jésus, mais dans son cœur, Pierre ne reniait pas Jésus. Pierre reniait Jésus pour accomplir la prophétie de Jésus. Et aussi, il craignait la mort. Mais après que Jésus fut enterré, c'est lui qui dirigeait les peuples. Si l'église ne va pas se mettre sur ce pieu pour savoir son devoir et ses responsabilités, nous serons un peuple errant. Quand est-ce que l'errance peut prendre fin? Nous sommes en train d'errer chaque jour. Je suis ici, c'est mon pasteur. Moi, il y a tous les frères de la cité ici auxquels on s'écrit. Il n'y a personne d'entre eux, je l'ai appelé mon fils, je les appelle mes amis parce qu'ils ont un père. C'est David, votre père. Moi, je leur écris, mon ami, comment tu vas? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut être père de tout le monde. Vous avez combien de pères dans la foi? Ce qui déstabilise notre foi, c'est ça. Vous écoutez, mais comme si le cœur n'est pas là, tout ce que vous écoutez, ça passe inaperçu. Jésus reviendra, il reviendra certainement. Mais nous devons faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. Opération. Ok, nous allons lire comme d'habitude. Le verset 20. Le jour suivant, David s'éleva tôt le matin. Il laissait ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route comme son père Jessé l'avait dit. On y va. On y va. 21. Les Israélites et le Philistin se mettaient en ordre des combats. 22. On y va. Au moment où il parlait avec eux, le Philistin de Gad, qui s'appelait Goliath, s'avança devant son armée. Et comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit. On y va. On y va. Chaque dit. Vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avança vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne payera plus l'impôt en Israël. On y va. On y va. Les soldats à David. Tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Thank you.
29. David lui répond, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai simplement posé une question. On y va? David retourna. Écoutez, je veux qu'on s'arrête ici. Le verset 30 dit quoi? En d'autres termes, David se sépara. Prenez place. Écoutez, dans la vie, mes amis, quand nous lisons la Bible, faisons un effort de tirer quelque chose lorsque le récit sont lus. Alléluia. On a le devoir et la responsabilité de tirer quelque chose quand un verset est cité. La Bible dit, toute écriture de Dieu est inspirée, est utile pour corriger et pour nous instruire. La Bible nous donne l'instruction. Vous voyez le récit que nous venons de lire, il est connu des sources, c'est le récit le plus simple de la Bible. La Bible nous parle de David. Quand David, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 20, il lui revenait chez Saül. Parce qu'il devait aller chanter pendant que les esprits mauvais dérangeaient Saül, qui me dit Amen. Mais le souci de David, c'était le peu de brebis qu'il encadrait, qu'il dirigeait, car cela appartenait à son père. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ces gens que Dieu a élevés, il les a pris derrière le brebis. Regardez Moïse derrière le brebis, qui me dit Amen. Regardez même le roi Saül. Il était à la recherche du brebis perdu de son père. Mais c'était pendant qu'il allait vers la royauté. Donc Dieu prend tout le monde derrière le brebis. Et David avait compassion de ses brebis. Il rentre dans la maison de son père. C'est alors que son père dit, oh, tes frères sont allés en guerre. Depuis qu'ils sont allés, alors je n'ai pas leur nouvelle. Alors tu prends le 10 pain, tu prends un peu ces choses, va les voir. Et tu vas savoir comment ils se portent. La même histoire est comparable à l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph aussi. Son père s'inquiétait, Jacob, de ses frères qui sont allés paître les brebis. Il a dit, prends le pain, va suivre tes frères. Pendant qu'il allait, or c'était la mission pour qu'il se rende en Égypte, parce qu'il était devenu une marchandise, qui me dit Amen. Ce frère devait l'attraper, il était dans une citerne, le tuer, le vendre chez les Madians, les Madianites vont le vendre chez les Égyptiens. Et c'était l'histoire pareille à David. David qui amène le pain, mais il trouve que tout le monde était fuyard devant un homme qui s'appelait Goliath. Vu sa taille, il était un homme de guerre depuis sa naissance. Alors il s'est levé pour lancer un défi pendant 40 jours, personne ne s'est levé. Tandis que les trois frères aînés de David étaient là en guerre. Tout le monde fuyait. Alors la seule personne qui a eu la révélation de battre Goliath, c'était David. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? David pose la question, mais c'est quoi? Pourquoi vous fuyez? Pendant qu'il parlait, parce qu'il avait remis le pain entre les mains du gardien de la troupe, et il est allé interroger, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pendant 40 jours, vous vous reculez? Pourquoi? Voilà Goliath qui s'élève, il lance les défis. La Bible dit, David a écouté. Pendant ce temps, David s'est encharné parce qu'un individu ne peut pas combattre l'armée de l'Éternel. David dit, non. David l'appelle un incirconcis. Oh! Donc tous ces gens qui étaient là, personne ne savait que Goliath était un incirconcis. Or, un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il n'a ni alliance. Dieu ne les connaît pas. Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut faire trembler l'armée de ceux qui connaissent Dieu? David dit, non, ma conscience se réveille. Cet homme, il n'a pas les droits. Son grand frère s'élève. Oh petit, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Avec qui tu as laissé ces paix de brebis? Dans le désert. Or, quand vous lisez le verset 20, la Bible dit, avant que David n'aille voir ses frères, il avait laissé ses brebis auprès d'un berger. Mais si vous lisez la Bible jusqu'à ce jour, on n'a pas cité le nom de ces bergers. Nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas son nom. Est-ce qu'il était dans sa famille? Nous ne savons pas. Mais du moins, il a laissé le brebis avec quelqu'un qui avait la force de le paître. Ne laissez pas l'église entre les mains de celui qui n'est pas un berger. Ne laissez pas ton travail à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu fais. Tu dois laisser ton travail à quelqu'un qui a les soucis et qui peut prendre soin de ce travail même dans ton absence. Oh, quelqu'un me dit trois fois Amen.
Le problème, nous laissons le travail à quelqu'un qui n'a pas le cœur du travail, à quelqu'un qui n'est pas de cette profession. Vous prenez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est malade, vous le donnez à un chaire. Est-ce qu'il va le traiter? Non, allez chercher un médecin. Il a la passion de malade. Vous savez pourquoi nous échouons? Des fois, nous donnons nos charges à quelqu'un qui n'est pas du domaine. Il fera la trahison. Une femme qui a mis au monde connaît ce qu'on appelle le douleur d'enfantement. Si tu lui donnes ton enfant, il ne les frappera pas pour les tuer. S'il le frappe, c'est pour les corriger. À qui donnez-vous vos enfants? À qui donnes-tu ta vie? C'est pourquoi vous remarquerez, nous souffrons parce que vous avez 5 prophètes. Il y a des prophètes qui n'ont jamais été pasteur d'une église. Lui, c'est un prophète en bilan, il a des sacs à main, il est à la montagne, il descend. Et vous lui donnez des sujets de prière. Croyez-vous que réellement il va prendre charge de cela? Il a dirigé où? Même Dieu, pour t'établir roi, tu dois être d'abord berger des brebis. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait doit commencer par une formation. Et quand tu auras le cœur, c'est alors que Dieu te donnera le peuple. Quand vous souffrez parce que mon église est petite, il n'y a pas de gens, Dieu sait que tu n'as pas encore le cœur de supporter 1000 personnes. Quand tu auras ce cœur, Dieu enverra 1000 personnes. Non, mes affaires ne grandissent pas depuis que j'ai commencé avec 1000 euros. Dieu sait que quand tu auras 10 000 euros, tu vas commencer à marcher sur la tête des gens. Alléluia. Dieu ne fait rien si ton cœur ne comprend pas ce que tu dois faire. Écoutez, j'ai aimé David. Pendant que Goliath s'est levé pour parler et que l'Israël s'est reculé, le frère de David, Eliab, son frère, il dit, toi avec qui tu as laissé ces brebis, tu es un orgueilleux. Ce n'est pas tout le monde qui sont les orgueillés. Il y a des gens qui ont cette audace, ils ont le courage de faire. Ils n'aiment pas la défaite. Il ne faut jamais aimer la défaite. Un enfant de Dieu n'aime jamais la défaite. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. David a dit non. Mais j'ai aimé David. Pendant que ses frères cherchaient querelle, David a dit, je n'ai pas le temps de faire querelle. Je vais chercher les gens qui vont croire à moi. David leur quitta, David s'est séparé. Sépare-toi de ceux qui te cherchent querelle. Nous ne sommes pas autant de querellés. Nous sommes autant de faire tomber Goliath et de donner la victoire à l'Israël. David a dit, je ne peux pas quereller avec toi. Je n'ai pas le temps de quereller. Ce n'est pas le problème de quereller avec vous. Laissez-moi partir. Il est question de Goliath. Moi, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Mais notre ennemi, c'est Goliath. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, c'est Goliath. Nous sommes au temps où l'église ne peut pas quereller. Laissez les quereller avec ceux qui querellent. Mais restons dans la paix du Seigneur. Parce que nous sommes au temps de construire et de faire tomber Goliath. Il y a un Goliath qui s'élève. Si l'église ne comprend pas le temps et ne comprend pas ce que David a fait, nous resterons en train de nous distraire par des querelles, par des disputes, calomnier des autres, apporter des messages mensongers pour détruire les autres en cause de votre intérêt. Le pasteur David l'a dit, moi je suis pasteur, je sais. Je ne suis pas dans mon pays, je sais les rapports que je reçois vers les gens à qui j'ai laissé l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui donne un bon rapport. Et mais moi, je n'ai pas le temps de les gueuler parce que je sais qu'ils doivent diriger. Et ça vient d'où? Ça ne vient pas du dehors. Ça vient de l'église. C'est pourquoi la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens du dehors. Non, les gens du dehors. Les gens de ta... Comment dans la même maison nous devons avoir les ennemis? C'est là où le diable prend la force de s'installer. Car le devoir du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Il règne parce qu'il vous sépare. Il sait que quand vous êtes séparés, vous êtes faibles. Quand vous êtes divisés, vous êtes faibles. Église, réveillez-vous et réveillez votre mémoire. Vous dormez en priant. Vous faites une prière sans conscience. Nous voulons tous voir la main de Dieu. Mais comment voulez-vous voir la main de Dieu? Avec quelle attitude? Avec quelle pensée? Avec quelle vie? Personne n'est champion. Mais tous les jours, on s'efforce à se présenter digne devant Dieu. Tous les jours. Personne, il n'y a pas de champion. Personne n'est champion. Il dira que non, moi je suis exceptionnel. Il n'y a pas d'exceptionnel. On lutte tous les jours vers la perfection. Le jour où l'église va atteindre la perfection, c'est l'enlèvement.
Que la parole de Dieu puisse nous donner comment vivre, comment marcher, comment être une église puissante. Comment être une église qui va croître. Regardez l'église primitive. Il y a une grande différence entre l'église primitive et l'église finitive. Nous, nous sommes l'église finitive, mais tout ce qui se faisait à l'église primitive ne se fait pas à l'église finitive. Pourquoi? La vie qui se trouvait à l'église primitive n'est pas à l'église finitive. La Bible dit que le nombre des gens s'augmentait. Le miracle, ce n'était pas quelque chose que l'esprit est à gauche, l'esprit est à droite. Non, quand les gens venaient, déjà Dieu opérait parce qu'ils étaient un. Les gens vendaient leurs propriétés et ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres. Les gens croyaient à la venue du Messie. Les gens croyaient à la parole. Et Dieu opérait des miracles. Les gens étaient épanouis. La Bible dit qu'il n'y avait pas des indigents. Quelle église? Par rapport à l'église actuelle, je ne parle pas seulement d'acide. Je suis en train de généraliser les églises. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans la distraction. Parce que l'autre a commencé. L'autre m'a injurié. L'autre m'a traité d'orgueilleux. L'autre m'a traité de ceci. Mais est-ce que tu ne peux pas garder silence? La Bible dit, garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Vous, vous gardez silence seulement quand c'est le diable. Mais quand c'est ton frère, est-ce que l'église peut se réveiller à voir la vie de Christ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, ce que dit la Bible. Ici, David s'éleva. Il a dit, qu'est-ce qu'on fera? Il dit, c'est un circoncis. Un homme qui n'a pas d'alliance. Il n'a pas Dieu. Dieu ne le connaît pas. Il n'a pas de la valeur. Pendant que David l'appelait un incirconcis, cela veut dire David l'avait déshabillé. Il a compris que c'était un homme de honte. Dieu ne le connaît pas, mais il fait fuir l'armée de Dieu. Il dit, aujourd'hui, le ciel donnera raison que tu as touché au Dieu d'Israël. Qui peut s'élever pour sauver Acid pendant que les paroles méchantes sont citées contre Acid? Qui peut s'élever pour sauver son église? Quand vous ne le faites pas pour David Pacha, mais vous le faites pour Jésus-Christ. La récompense de la promesse faite à cet homme est votre partage. Qui me dit amen? Écoutez, bien-aimés, tout ce que vous faites, quand vous voyez un homme, vous ne le ferez pas. Mais quand vous voyez Dieu dans cet homme, vous ferez quelque chose. Remarquez dans Genèse chapitre 22, le verset 1 à 6. Vous allez voir, Dieu parle à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique que tu aimes. La Bible dit, le bon matin, Abraham, c'est là l'âne, il prit le fils, il a pris les bois, il a pris le couteau, et ils vont monter avec l'enfant. Chemin faisant, ils arrivent quelque part avec les disciples. Écoutez ce que David dit et ce que Abraham dit à ses serviteurs. Vous restez ici. Ne nous suivez pas là. Parce que moi et mon fils, nous allons pour adorer. C'est que dans le lieu d'adoration, on n'amène pas les serviteurs. On amène le fils. Et le fils dit, mais père, les serviteurs sont restés. Parce que dans la vie, il y aura un temps. Il faut se séparer avec les serviteurs. Mais rester avec le fils. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, vous êtes chef d'entreprise, il y a des gens qui sont comme fils, vos intimes qui connaissent les secrets, mais il y a des gens qui sont comme travailleurs, qui n'ont pas le droit de vous trahir dans les affaires. Même à l'église, on n'amène pas le serviteur à la montagne, on amène le fils, parce que le fils gardera les secrets de tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort du fils. Ce qui est plus grave, je ne sais pas si Sarah avait appris la nouvelle que réellement papa allait me tuer. Je ne sais pas. Ce qui est mal aujourd'hui dans tout ce que nous faisons, nous amenons les serviteurs. Tu sais pourquoi tes histoires ne marchent pas? Tu avais amené une serre dans un endroit que tu ne peux pas l'amener. Et toi tu es parti, elle est repartie après toi. Elle t'a détruit la vie. Il y a des endroits où on n'amène pas les gens. Reste à la porte. Même moi, chez moi, dans ma maison, il y a des gens que je reçois dehors. Donc, tu n'entres pas au salon. Tu n'as pas les droits. Reste là-bas au salon. Non, reste dehors dans la parcelle. On met la chaise en plastique. On cause là-bas. Tu n'entres pas au salon. Il y a des gens, quand tu rentres dans mon salon, c'est que j'ai confiance en toi. Et je sais comment tu pèses. Il y a des gens, il ne faut même pas manger avec eux. Séparez-vous seulement. Séparez-vous parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer. Paul avec son compagnon, ils allaient quelque part.
Et voilà une femme qui criait chaque jour. Écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les, ils sont les envoyés de Dieu. Ils ont la chose de Dieu. Dieu les a envoyés pour sauver la ville. Tellement que cette femme parlait tous les jours, le discernement dans la tête de Paul, il dit, arrête-toi, piton. Ce que la femme disait était une vérité, mais l'esprit qui animait la femme, c'est ce que le pasteur venait dire, c'est l'esprit de piton. Il boycotte les messages, quoique ces messages étaient une vérité. Mais ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche de... C'est une réalité vraie, nous sommes des envoyés de Dieu. Mais qui parle? Qui parle? Quel est l'instrument qui parle? Dans le temps de la fin, si nous n'avons pas l'esprit de discernement, nous allons faire la monotonie, nous allons rester sur place, prétendant que nous marchons, or que nous ne marchons pas. Mais la, le discernement des esprits va nous aider à savoir que oh, penankoloate, obilokoalobaye panzangai. Mais parce que nous n'avons pas cet esprit, et notre foi est en train de souffrir de la malnutrition spirituelle. Nous te voyons dans la santé, tu es comme ça, mais spirituellement, parce que l'emba wanana quoi chez quoi. Beaucoup de chrétiens souffrent de cette malnutrition, je vous jure. Remarquez, vous priez seulement quand il est question de chasser. Vous chassez quoi? Avec quelle force tu dois chasser? Quand on dit adore Dieu, tu ne peux pas adorer parce que ton esprit souffre. David dit, non, je ne vais pas quereller avec vous. Moi, je vais tuer Goliath. Pourquoi tu peux quereller avec le frère et soeur? Pourquoi aujourd'hui l'église est en train de quereller? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien. Or que notre ennemi, c'est le diable. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton pasteur, moins d'être même ton ennemi. Si l'église va se réunir, que nous connaissons Assite et une famille. En dehors d'une école, mais l'église Assite et une famille. Pourquoi une école? Parce que nous sommes formés. Nous sommes enseignés. Pourquoi une famille? Parce que nous formons la famille de Dieu. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes une famille. Ni moulouba. Abraham dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons à la montagne. Pasteur David, n'amenez pas tout le monde à la montagne. Là où il est question de la gloire, là où il est question de la bénédiction, il faut que le fils aille avec toi. Ouais. Il faut qu'il y ait le fils. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons beaucoup plus les chrétiens, mais nous n'avons pas de fils. Parce que toi-même, tu es là, tu ne sais pas qui est ton père jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, ça m'étonne comment vous ne suivez pas vos cultes de l'église à Site. Vous suivez d'autres prophètes. Vous avez combien d'enseignements dans votre tête? Non, non, on parle des choses vraies. Les dimanches, tu n'es pas venu au culte. Tu étais chez toi à la maison. Mais tu as suivi quelle église? Comment dans ton téléphone, tu as le fusil de notre pasteur, mais c'est moi qui est ton pasteur? Qui est cet enfant qui peut accepter notre père et ignorer son père? La nature doit nous enseigner. Moi, il y a ma fille qui me dit, ah, papa, daddy, tu es le plus beau de tous les papas. Là, ça me donne les chairs de poule. Parce que c'est ma fille. Je n'ai pas besoin d'écouter dans la bouche d'une autre personne. Ça, c'est ma fille. Tout le monde est content quand c'est son fils qui l'honore. Jésus a dit, Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Cette complicité doit être entre le pasteur et les églises. Alléluia. Permettez, je ne suis pas un prophète, mais pasteur, pendant que je parlais, le Seigneur me met à cœur. Vraiment, en tout cas, bon négligeable a été. Même dans ce cas, bon, la qui s'agit bolingo. Moi, bambote, et toi, bien goûté, mais rabat et les gars. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut de nous, c'est ça.
Parce que nous, les leaders de foi, nous avons compassion des gens. Mais parfois, des gens à qui nous avons compassion, ce ne sont pas des gens que Dieu a mis dans notre chemin. J'en ai connu de toutes les couleurs. Et quand je parle à l'église, c'est pour construire l'église, c'est pour sauver l'église. C'est pour guérir l'église parce que l'église est malade par nos réactions, nos comportements. Nous sommes malades. Aussi longtemps que nous n'allons pas restaurer l'église avec les enseignements de Christ, nous aurons un peuple qui n'est pas fondé, qui n'est pas bâti par l'enseignement des apôtres et des prophètes dont Jésus doit être la pierre angulaire. Il dit à son fils, nous allons adorer. Et ils arrivent à la montagne. Le fils n'avait pas 8 ans. Il était déjà majeur. Il va mettre le fil à ses mains, à ses pieds, et il va prendre l'enfant, il met sur l'autel, et il prend son couteau. Le fils regardait, parce que le fils avait confiance à son père, que mon père ne peut pas me tuer. Le fils est celui qui a confiance à son père. Peu importe tout, mais c'est la confiance. Quand vous perdez la confiance, Dieu ne vient pas. Le fils, vous voyez, c'est pour la première fois, à cause de la confiance, le fils a écouté Dieu le Père parler. C'était ce jour-là que Isaac a écouté. Quand il a levé sa main pour tuer, Dieu dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Le père écoute, le fils aussi écoute. C'est à la montagne. À la montagne, le père et le fils écouteront ensemble. Mais seulement un fils obéissant. Qui va obéir? Tu écouteras la voix de Dieu par l'entremise de ton père. Le Samuel dont nous avons lu, il a écouté Dieu, mais par la voix de son père Élie. Il est allé 3 fois. L'expérience de son vieil. Il dit, non, cette fois-ci, si on t'appelle, dis seulement, mais voici, ton serviteur t'écoute. Pendant que les paroles étaient rares, Dieu ne parle plus. Dieu vient parler à Samuel. Mais il n'avait pas l'expérience de savoir que c'était Dieu. Comment Dieu peut appeler une personne, mais par la voix de son père? Dieu, il pouvait utiliser sa voix propre à lui. Dieu ne brise pas la loi de la paternité. J'ai dit, Dieu ne brise pas la loi de la paternité. Parce que personne ne connaît Dieu. Si tu ne le connais pas, par le canal de ton père. C'est que si Dieu veut t'appeler, il doit utiliser tout ce qui est de ton père. Pour que tu croies que Dieu est avec toi. Pourquoi vous vous querellez? L'église, nous ne sommes pas autant de chamaillés. Non, tu n'es pas Kester. Nous sommes au temps où nous devons serrer les coudes et bâtir le royaume des cieux, mais sur la terre. Nous devons nous tenir main dans la main. Prenez ce que vous savez faire, amenez-les. Créons une synergie, l'ensemble des énergies. Quand il n'y a pas une synergie, assez de lumière, nous n'aurons pas assez de l'éclairage à cet endroit. Regarde cette salle. Vous avez combien d'ampoules pour avoir cette lumière? Prenez votre énergie. Prenez mon énergie. Prenons l'énergie du pasteur Pacha. Mettons ensemble. Assis, tu vas aller en avant. Si nous ne créons pas une synergie, nous serons une église à lambeaux. Vous venez, vous rentrez, mais il n'y a rien. Mais aussi longtemps que nous serons unis, soudés, en écoutant qu'une seule voix, la voix de Dieu par canal de son serviteur, le sera un miracle toujours. Il y en aura les mariages, les gens seront prospères. David était chez le roi, il jouait la guitare. Il a dit non, comme le roi est allé en guerre, moi je pars chez mon père pour aller voir comment ils sont devenus ces paix de brebis. Regarde le cœur d'un berger. Avant de partir en combat, David dit, il prend ses brebis, il les donne à un berger aussi. On donne que le travail à celui qui a ce cœur d'un berger. Celui qui ne vient pas pour détruire, mais celui qui amène une pierre de construction dans ce que vous avez déjà bâti. L'apôtre Paul dit, celui qui bâtit, qu'il fasse attention de quelle manière vous bâtissez. Car il arrivera un temps, le travail de chacun sera mis à nu. Si tu as bâti avec la paille, le soleil le brûlera. Mais si tu as bâti avec des matériaux durables, la maison va exister longtemps. Et nous sommes au temps, pas de quereller, pas de chercher les champions. Non, mon ingaso na modere kuna motele gaga. Mon ingaso na yembi, eh, batrios va aller là. Non, nous ne sommes pas à ces temps. Nous sommes au temps de faire ce qu'on appelle la complémentarité.
Écoutez-moi vous dire. Si ces poignets de main n'avaient pas cinq doigts, tu n'allais pas voir l'équilibre dans ta main. Et regardez ta main. Elle a cinq doigts. Tous tes doigts n'ont pas la même taille. Le pouce, l'index, la majeure, l'annulaire, l'auriculaire, ce que nous avons eu à l'école maternelle. Personne ne va réclamer que ngana mukuse yo mulaye ngana mukie so bon so baki mulayi mo mo kanga likofi. On n'aurait pas de boxeurs. Pour qu'il y ait des boxeurs, il faut misabinyo za pour qu'il y ait l'équilibre. Pour faire une poignée, il faut mukuse za la mulaye za la ya mo mukuse za na lobina nga amen. Quand Dieu le faisait, il le fait pour un but. Tu ne peux pas vivre sans équilibre. Il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Alléluia. Il faut qu'il y ait des hommes puissants et des hommes moins puissants. Si tout le monde était riche, mais qui serait sirère de l'autre? Qui va aller travailler chez l'autre? Si tout le monde est patron, mais on aurait des problèmes dans vos entreprises. Dieu sait pourquoi il met l'équilibre. Oh, je dis, Dieu sait pourquoi il met l'équilibre. Même dans la marche chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Alléluia. La simplicité nous impose. Comment vous allez dans la maison d'autrui, vous voulez devenir papa dans cette maison, tandis qu'il y a un papa? Ça, c'est être plus qu'un sorcier. L'humilité nous oblige que nous pouvons apprendre même à un jeune. Même un adage congolais dit ceci que moi n'ai mouké à Sakanini. T'es là-bas congolais, n'est pas son ici, bakolo va Sakanini. C'est que même un enfant est utile. Il peut jouer au tam-tam, tu te lèves, tu dis waouh, ça c'est un grand joueur. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Ne regardez pas votre âge et votre taille. Là où tu es parti, rabaisse-toi. Efface-toi. Sois normal pour que l'église soit élevée. Même dans une maison, si la femme veut devenir l'homme, laissez-moi vous dire que tout est troublé. La femme reste femme, l'homme reste l'homme. Quoi qu'il soit pauvre, que toi tu es plus intelligente que lui, il reste l'homme. David dit, je ne veux pas quereller, laissez-moi tuer ce Goliath. Vous n'avez pas la révélation que c'est un incirconcis. Moi je connais que c'est un incirconcis. C'est que Dieu n'est pas avec lui, Dieu est avec moi. Pendant que tout le monde tremblait à cause de la taille et l'âge de David, et écoutez ce que Saül dit à David. Cet homme est un guerrier depuis sa naissance. David lui dit, ouais, tu as raison, mais tu ne connais pas mon expérience. Quand j'étais dans la forêt, j'avais l'expérience. J'ai pétré le bébé de mon père. Quand le loup venait et qu'il attrapait la brebis, j'allais après lui, je lui frappais à la hanche, j'ai récupéré la brebis, s'il tournait contre moi. Le roi écoute ces choses, il dit que depuis que je suis en Israël, le roi, je n'ai jamais entendu ça. Vous savez qu'est-ce qui a donné confiance au roi? Les témoignages. Tu as un témoignage. J'ai dit, tu as un témoignage personnel que personne ne connaît. Ton témoignage n'est pas dans ton statut de WhatsApp, de Facebook. C'est dans ton cœur. Tu connais les étapes que tu as passées avec Dieu. Il y a quelqu'un qui va t'écouter. Je dis à quelqu'un, tu as les témoignages. Tu as l'expérience personnelle. Tu ne les mettras pas sur WhatsApp. Tu ne les mettras pas sur Facebook, mais c'est dans ton cœur. Un jour, tu auras l'occasion de témoigner. On croira même s'il n'y a pas de témoins. Vous savez que le roi a crié à David sans qu'il y ait un témoin. Pourquoi vous cherchez les témoins? Celui qui a la vérité, il n'a pas besoin d'un témoin. Parce qu'il est sûr de ce qu'il dit. David n'a pas dit chercher un témoin. Il dit que moi, ton serviteur au roi, j'allais paître le brebis de mon père. Quand l'ours venait, qu'il attrapait la brebis, j'allais après lui. Je lui frappais à la hanche, je récupérais la brebis. S'il tourne contre moi, je le déchirais. Le roi dit, waouh, waouh. Et le roi a crié sans qu'il y ait un témoin. Écoutez, si Dieu veut faire dans ta vie, il n'a pas besoin de témoins. Il a besoin de convaincre la personne avec ce que tu as dit. Et la vérité ne cherche pas les témoins. La vérité est le témoin de lui-même parce qu'il est la vérité. Personne ne peut contredire la vérité. Quelle que soit la lenteur de la vérité, mais la vérité accomplit ce qu'il veut accomplir. Est-ce que l'église peut comprendre que nous sommes au temps non de quereller, mais le temps de tuer Goliath? Chacun a un Goliath, même l'église assise a un Goliath qui combat cette église. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir,
mettre une synergie, nos forces ensemble pour briser ces Goliath. Car c'est un incirconcis. Dieu ne les connaît pas, mais il est en train de menacer l'œuvre de Dieu. Il est en train de menacer beaucoup d'entre nous. Alléluia. C'est un incirconcis, mais il n'y a pas de gens qui n'ont pas la conscience. Comment tu dois vivre avec Dieu sans conscience? Comment? Lève ta main et dis, je suis de la race de David. De ceux qui n'aiment pas quereller, mais ceux qui tuent Goliath. Et enlever l'opprobre d'Israël. J'enleverai l'opprobre d'Assit. J'enleverai l'opprobre de ma famille. Je crois et je le confesse. Je suis le David de ma famille. Peu importe ce que mes frères font. Peu importe les disputes qu'ils me cherchent. Mais moi, je suis David. Je tuerai Goliath et j'enleverai la honte. On ne parlera jamais de l'opprobre. On ne parlera jamais de la honte à cause de ma présence. Je le crois, je le confesse et je le déclare au nom de Jésus. Fini le temps des querelles. J'ai dit fini le temps. Nous sommes de la génération de David. Ceux qui croient, peu importe des querelles, mais je dois me séparer de ceux qui cherchent querelles. Séparez-vous. Séparez-vous d'eux parce qu'il va compliquer ta tête. Il va te donner leur maladie. Leur maladie, c'est quoi? C'est fuir Goliath. Or que toi, par l'obéissance, tu veux venir rencontrer le combat. C'est la grâce. J'ai tué le lion, j'étais seul. J'ai tué l'ours, j'étais seul. Mais Goliath, je ne tuerai pas tout en étant seul. Je le tuerai au fil et au sud de tous. Tout le monde sera là. Les deux camps seront là. Mais c'est moi, David, qui tuera Goliath. Ma témoignage, je me souviens de ça. Mais il y a un témoignage, il faut fouler ça. Il faut fouler. Parce qu'après la mort de Goliath, il faut que ma sœur Mercedes, ma sœur Cynthia, Baba Nagoyemba, David a tué ses 10 000. Goliath, Saül a tué ses 1000. Il n'y a pas un cantique sans gloire, sans victoire. C'est la victoire qui donne, qui ramène un cantique. Ne vous en faites pas, c'est pas à toi de composer. D'autres gens vont composer à ta faveur. Alléluia. Parce que le résultat fait taire les contestations. Là où il y a les résultats, les gens s'étaient. Talabako sekangai. Balobi otikinga moteme bateli kimya nani ayebi yangai nayo nakomi na suka Yesu makasi esilinga pesanga loboko nayo salelangai ngolu nayo longola soni nanga Kausa bapota nanga, kota likambo nanga, likambo oyo eumeli kotika. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Marabro shababo, kerama sababro, ibre kayaba shobabo, rekandala sabo, karabo shababo. Kotika, kotika, kotika ngaitse. Ye karama saba. Kotika. Ile raba shokara baba sobro. Kotika. Ike rama sakara bako ya babo samanda rabrosha. Ire kaya. Kotika, kotika, kotika ngaitse. Hallelujah. Kotika ngaitse. Écoutez, je veux que nous prions le Seigneur. Tu as un Goliath à tuer, écoutez. Mais que Dieu te donne le cœur de David ou Esoua Nakate. Si tu n'as pas le cœur de te chamailler, tu ne seras pas dans la distraction. Tu te mets dans la distraction parce que tu écoutes ce que les autres disent. Et Bungishion Zela. Prends l'autorité que Dieu bouche tes oreilles à écouter des paroles qui peuvent t'affaiblir,
Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne me laisse pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à toi que je fais confiance. Au nom de Jésus. Yahweh éternel tout puissant, je m'appuie à toi. Au nom de Jésus. Je te fais confiance. Je me donne en sacrifice, Jésus. Je renverse. Ne me laisse pas, éternel tout puissant Dieu. Je détruis. Donne-moi ta main, Jésus. Tiens-moi très fort, Jésus. Tiens-moi très fort, éternel Dieu. Tiens-moi très fort, Jésus, Seigneur. Ne me laisse pas dans cet état. Ne me laisse pas devant cette situation. Ne me laisse pas devant cette incirconcision. Ne me laisse pas devant, Seigneur, ce voyage. Ne me laisse pas devant cet obstacle. Je ne détruis pas devant mes frères. Je brise la force qui ne croient pas. Qui vient pour me distraire. Eh, Seigneur Jésus. Qui vient pour me distraire. Ne me laissez pas. Au nom de Jésus. Ne me laissez pas. Au nom de Jésus. Donne-moi ta main, Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-moi la force. La force. La force. 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 Force